Plus d'armes pour l'Ukraine. Alors que Kiev se bat pour obtenir plus d'aide militaire de la part des pays occidentaux, des dizaines de personnes se sont réunies à Varsovie pour demander à l'Union européenne de soutenir l'Ukraine face à la Russie. Il y a quelques jours, l'Allemagne a annoncé avoir livré du matériel militaire à l'Ukraine, mais le chancelier allemand le reconnaît, l'aide européenne est insuffisante. So wichtig unser deutscher Beitrag ist. Er allein wird nicht ausreichen, um die Sicherheit der Ukraine dauerhaft zu gewährleisten. Ich rufe deshalb die Verbündeten in der Europäischen Union auf, ihre Anstrengungen zugunsten der Ukraine ebenfalls zu verstärken. Die bisher von der Mehrzahl der EU-Mitgliedstaaten geplanten Waffenlieferungen für die Ukraine sind jedenfalls zu gering. Après l'échec de leur contre-offensive, les soldats ukrainiens tentent tant bien que mal de garder le moral. Якщо ми не будемо захищати нашу державу, крім нас її ніхто не захистить. Сюди ніхто не прийде воювати. Це, якщо ми хочемо жити в нашій державі, незалежній, демократичній, це наш обов'язок. En février 2024, le conflit entrera dans sa troisième année.